Salut tout le monde et bienvenue sur Code QG, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler du contenu de Modern Warfare 3, et quand je parle de contenu, je parle bien évidemment des armes, des équipements, des atouts, bref, de tout ce qui sera présent à la fois dans le mode multijoueur, mais également, on s'en doute, sur Warzone, et ce, dès la saison 1. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ceci, juste en dessous, dans l'espace des commentaires, et nous, on se lance l'intro, le temps pour vous de nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait, bref, vous êtes sur Code QG, c'est Vince et c'est parti! Allez, on rentre directement dans le vif du sujet et on va commencer avec les armes puisque c'est, je pense, ce qui vous intéresse le plus. Comme vous le savez peut-être, l'équipe Code QG était présente à San Francisco afin de rencontrer les développeurs de chez Sledgehammer Games et surtout afin de jouer en avant-première à Modern Warfare 3. Pour des raisons évidentes d'embargo et de confidentialité, je ne pourrais pas faire de commentaires sur le gameplay en tant que tel du mode multijoueur, mais dans tous les cas, il aurait été extrêmement difficile de lister tout ce qu'on avait pu voir dans le gameplay. Étant donné que nous n'avions pas droit de prendre de notes et encore moins d'enregistrer du gameplay, dans tous les cas, on a pu apercevoir plusieurs armes durant la présentation du mode campagne au travers de deux missions, et ça, j'ai droit de vous en parler. La première de ces missions, c'était celle qui occupe la plus grande partie de la bande-annonce de Reveal, où plusieurs membres du groupe Kony attaquent la prison de Verdansk pour en extraire, on s'en doute, Makarov. La seconde, c'était celle qui prenait place dans les ruines d'un avion, on s'en doute, juste après le remake de la mission Pas de Russe. Dans la première des missions, celle du Goulag, on a pu apercevoir plusieurs armes, avec tout d'abord le Draker 556 qui ressemblait en tout point à l'ACR et qui était également équipé d'un viseur hybride. On a également pu voir la Scorpion Evo 4, une SMG extrêmement maniable et adaptée au combat rapproché, une arme que l'on pouvait notamment retrouver dans Black Ops 2 pour ceux qui auraient joué à ce jeu. On a également pu apercevoir sur le sol une Kastov 762, une arme déjà présente dans Modern Warfare 2, l'opus de 2022, ce qui laisse penser que nous devrions avoir droit à la fois aux armes de MW3, mais également de MW2 dans le mode campagne. Alors c'est vrai, on le sait, la fonction Carry Forward du mode multijoueur et Warzone nous offrira la possibilité de jouer avec les armes des deux opus dans ces modes de jeu, mais il semblerait donc que Sledgehammer Games ait cherché à rendre ce mécanisme beaucoup plus cohérent, on va dire, en l'implantant également dans le mode campagne. Par ailleurs, le fait que le mode campagne propose des missions dites ouvertes avec la possibilité de créer ses propres classes, comme par exemple dans le mode Raid, renforce l'intérêt de proposer également les armes de Modern Warfare 2. Voici donc les trois armes que nous avons pu apercevoir durant cette mission. On se doute que d'autres devaient également être présentes dans la prison de Verdansk, mais nous n'avons malheureusement pas pu les voir au sol durant le gameplay. Allez, on continue avec la seconde mission, celle du crash de l'avion que l'on peut également voir dans la bande-annonce de révélation du jeu. Cette mission avait une approche basée sur l'infiltration et donc avec peu de combats directs et donc peu de chances de voir beaucoup d'armes sur les corps des ennemis. Cependant, on a pu quand même en noter quelques-unes. La première, elle répond au nom de Bruen 45 ACP. Malheureusement, ce n'est pas la Bruen de Modern Warfare 2019, mais plutôt un pistolet qui était équipé d'un silencieux. La seconde, c'était une arme répondant au nom de Ziklov. Une arme ressemblant fortement à la Kastov 74U, ou l'AK-74U si vous préférez. Et enfin, on a pu apercevoir la Lachman 556 et la Kastov 762, deux armes déjà présentes dans Modern Warfare 2, ce qui confirme donc à nouveau le retour des armes de cet opus dans celui de cette année, et ce, plus précisément dans le mode campagne. Voici donc les 7 armes officielles que nous avons pu apercevoir durant les phases de gameplay, qui nous ont été présentées chez Sledgehammer Games. En parallèle de tout ça, on se doute qu'avec le reveal du gameplay du mode campagne qui aura lieu demain soir, le 22 août à 20h heure française, à l'occasion de la Gamescom, nous devrions avoir droit à davantage d'éléments et donc une liste plus importante. En attendant, on peut quand même aller faire un tour du côté des leakers et des data miners, puisque ces derniers ont réussi à partager plusieurs noms d'armes qui devraient donc être présentes dans le mode campagne et par extension, on s'en doute, dans le mode multijoueur et également dans Warzone. Comme à chaque fois, je vous rappelle qu'il convient de prendre cette liste avec des énormes pincettes, tant que rien n'a été officialisé, que ce soit
par Sledgehammer Games, par Activision ou par tout autre studio impliqué dans le développement du jeu. Mais juste avant de continuer, je vous informe que vous retrouverez en description un bon plan pour précommander Modern Warfare 3 moins cher. Comme à chaque fois, c'est par le biais de nos amis et partenaires Instant Gaming que je vous invite à passer. Si vous souhaitez économiser quelques euros et que vous souhaitez surtout une édition numérique, rendez-vous en description pour découvrir tout ça. Allez, on attaque avec la liste des armes ayant leaké, et au niveau des fusils d'assaut, on retrouve donc l'AK-556, la COG-58, la ANVL-B, la MCW, la MTZ-556 et la Holger. Pour les mitraillettes, on aurait donc la LAC-9, la WSP-9, la SAR-9, la Striker-45 et la Rival-9. Décidément, beaucoup de neufs. En ce qui concerne les fusils de combat, on aurait le BASP, le MTZ-762, la Sidewinder et la TAC-V. Pour les fusils de sniper, 3 ont pour le moment été annoncés ou tout du moins retrouvés dans les fichiers du jeu avec le KVB-73, le KVS Terminus et le AMR-50. Et enfin, pour finir, un pistolet avait fuité, à savoir le Rafika. Cette liste, elle doit sûrement vous dire quelque chose puisqu'elle s'appuie sur les captures d'écran qui avaient fuité et qui avaient notamment été partagées par le leaker Bob Network UK. Depuis, d'autres leakers et dataminers ont pris les devants afin de dévoiler d'autres noms d'armes, mais aussi pour en confirmer d'autres. On se doute que, comme à chaque fois, ces listes proviennent des fichiers du jeu et ont donc été retrouvés 8 fusils d'assaut avec tout d'abord l'ACR, l'ACR 300 BLK, le G26, la Bren 2, le CZ-805 Bren, la F2000, la KBZ-95 ainsi que la KBZ-97, 3 fusils de combat avec le 450 Bushmaster, le CZ Bren 2 et enfin le MCX Spear, 3 fusils tactiques avec le Masada DMR, le SL8 et enfin la Shokavin SVCH. On a également 5 mitrailleuses avec la FN Evolis, la MG36, la PKP Bullpup, la PKP Pechneg et enfin la KBZ95 LSW. Pour les pistolets, on en a 4 avec le Glock 21, le M93R, le RSH12 et enfin la Micro Uzi. 2 fusils à pompe ont également été retrouvés avec le Mossberg et un fusil à pompe semi-automatique dont le nom est encore un mystère. Les mitraillettes ne sont pas en reste puisqu'elles seront au nombre de 8 avec le Colt Hero 635, la LWRC SMG 45, la Scorpion Evo 4, l'UMP9, la Uzi, la Uzi Pro, le Ster HS 50 et enfin la SVD. Comme à chaque fois, il y a fort à parier que, comme ce qu'on a vu par exemple en 2022 avec les leaks des armes de Modern Warfare 2, les noms de ces armes évolueront et elles seront remplacées par d'autres noms d'ici la sortie de MW3. Ajoutez à ceci la totalité des armes de Modern Warfare 2 et vous obtiendrez donc un arsenal extrêmement important, le plus grand de l'histoire de la franchise, du moins au lancement du jeu. Allez, on enchaîne avec les équipements qui seront disponibles dans ce Modern Warfare 3 et on a tout d'abord un nouvel équipement mortel qui sera disponible, répondant au nom de drone de brèche. C'est en vérité un drone d'attaque lent qui suit une trajectoire rectiligne jusqu'à atteindre un ennemi se trouvant dans son périmètre. On aura ensuite le drone moustique qui bombardera en piqué les ennemis. Ceux qui auraient joué à Black Ops 2 doivent sûrement se souvenir des drones de chasse de cet opus. Eh bien, c'est plus ou moins la même chose. Une nouvelle amélioration de combat nommée ACS sera également de la partie. Cette amélioration de combat vous permettra de capturer les objectifs pour vous, et ce, à distance, tout en piratant les équipements ennemis à proximité. Et enfin, on aura également une autre amélioration de combat nommée brouilleur de communication qui vous permettra d'être invisible au radar de vos ennemis, vous et votre équipe, dans un périmètre donné. Reste à voir comment tout ceci fonctionnera et surtout si ça ne sera pas trop abusé en mode multijoueur. On enchaîne avec les modes de jeu et vous l'avez sûrement vu passer, un tout nouveau mode de jeu nommé Cutthroat ou Coupe-gorge en bon français sera disponible sur ce Modern Warfare 3. À première vue, il s'agit d'un mix entre l'escarmouche, la confrontation et un petit peu de champion de la colline. Ce mode se déroulera sous forme de manche avec 3 équipes de 3 joueurs qui s'affronteront. Alors je sais pas vous, mais perso, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera car j'étais vraiment fan du mode escarmouche. En parallèle de tout ça, on aura bien évidemment les modes de jeu dits classiques avec la MME, la domination, le point stratégique, la recherche et destruction, bref, rien de nouveau, vous allez me dire. Eh bien, détrompez-vous car en vérité, ça sera la toute
toute première fois que nous aurons l'occasion, que dis-je, le plaisir de jouer à certains modes de jeu sur les maps de MW2, celui de 2009, et je pense notamment au point stratégique ou encore à l'élimination confirmée, et je pense que ça sera vraiment quelque chose de très très intéressant. Et en parlant de confirmation, il y a également le mode invasion qui a été confirmé comme étant présent sur Modern Warfare 3 avec les maps du mode guerre terrestre, et bien sûr, le mode guerre de Call of Duty World War 2 sera également de la partie. En parallèle de tout ça, les développeurs ont indiqué qu'à chaque saison, nous aurons droit à, je cite, une tonne de nouveaux modes. J'ai vraiment hâte de voir ce qui nous réserve. Et enfin, on termine cette vidéo avec les atouts. Cela avait leaké il y a de cela quelques semaines maintenant, et c'est désormais officiel. Les atouts de ce Modern Warfare 3 n'auront pas l'apparence, on va dire, des atouts des précédents opus. Cette fois-ci, ça sera sous la forme de gants, de vestes, de bottes et d'autres items. D'ailleurs, Call of Duty avait confirmé l'arrivée de ce qu'ils appellent des sneakers discrètes afin de se déplacer sans bruit de pas, en soi silence de mort mais sous la forme de chaussures. Ces atouts seront disponibles dès le début de la partie, excite donc le système un petit peu étrange de MW2 où il était nécessaire d'attendre plusieurs minutes avant de pouvoir enfin avoir la totalité de ses atouts. Voici donc tout ce qu'il fallait savoir concernant Modern Warfare 3 et plus précisément à propos du contenu du jeu. Ceci étant dit, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Code QG mais également sur Warzone France pour de nouvelles vidéos tous les jours. Sur ce, c'était Vince, salut tout le monde et à la prochaine, bye bye.